Je vais faire français puis anglais. Alors, ma question, c'est est-ce que Richard Dean Anderson est aussi drôle dans la vie réelle que son caractère, son personnage Jacques Connie? Was Richard Dean Anderson as funny as his character Jacques Dean? Was that in French? Oh, he's exactly like his character. He's sarcastic, with a very dry sense of humor, and slightly moody. Ah non, oui, il est aussi drôle dans la vraie vie que dans son rôle de colonel Jack Connie. Même plus sarcastique et aussi plus lunatique que le personnage lui-même. Ouais, quelque chose. C'est la peine du gâteau. Ah non. Big piece of cake. Je sais pas vous, mais enfin moi, c'est des trucs qui arrivent en fond, c'est la blague à deux balles. No. Come on. Oh, I thought you were offering me one. No. Red velvet with cream cheese ice. I see. To work with. Je partage plus. Oh yeah, it was great. He was awesome to work with. He was very good. C'était super. But I will take the cake. Did someone bring him a cake? Pardon, est-ce que quelqu'un peut lui apporter un gâteau? Sinon, il va lui faire tout un fromage. Tu veux un gâteau, moi? Cheesecake! Ooh! Ooh, I love cheesecake. Delicious. Question suivante? Mademoiselle? Michael? Just be it. Did you watch Stargate and the Stargate AG1 before you played Jonas Quinn? Unfortunately, Stargate in America was on a cable network called Showtime, and I had HBO, and I didn't have Showtime. So the only thing I knew of Stargate was all of the advertisements on buses and on billboards, and so I knew it was a big show. But I had never seen a single episode until after I got the part. And then I watched all 5 seasons that I wasn't in. Alors, la question était, est-ce que vous connaissiez le show avant de jouer dedans? Hein? Ça, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il avait déjà regardé le show avant de jouer dedans? Et la réponse, c'est que non. Parce que la série a été diffusée sur une série qui s'appelait Showtime. Et que lui était abonné à HBO. Et donc, du coup, il voyait seulement les publicités, donc à la télé ou sur les bus. Mais c'est ensuite, quand il a commencé à jouer dans Stargate, qu'il a pu compléter toute la série